Je veux pas dire, mais j'ai l'impression que ça a repris. Je crois. Excuse-moi de te déranger, Jacques. Ah, salut. Ça va? Public, si tu veux revenir, petit public, tu peux revenir parce que j'ai l'impression que le match a repris. Coucou! Ah, ah coucou. Voilà, on a eu peur, on a eu un blocage. Manifestement, on a été bloqué par. Écoutez, on n'y était plus du tout, oui, tu veux dire. Internet est de plus en plus sécurisé, voire de moins en moins libre. Ah ben, on arrive sur une pénalité pour l'équipe de France après une énième mêlée écroulée par les pauvres petits Écossais qui, dans ce domaine, souffrent terriblement, terriblement. Ils vont se retrouver avec les épaules au niveau du coccyx si ça continue. Et là, pour le rugby ensuite, ce sera beaucoup plus délicat. On va dire qu'ils ont une certaine responsabilité de pouvoir mieux jouer et mieux égaler cette équipe de France qui, ma foi, nous a quand même régalé. Ouais. Jacques vous dit ça tranquillement, en finissant son petit travail personnel. En bichonnant sa petite création, il vous dit ça à la tranquille, comme si vraiment c'est ça le professionnalisme, c'est l'homme détendu qui tousse à côté du micro. Économie 7, fraternité 17. Oui, on peut le voir comme ça. Enfin Jacques, là tu forces un peu le trait quand même, c'est vraiment... C'est un peu manichéen comme raisonnement. Tiens, t'as la télé qui a pété, ça t'apprendra à dire des conneries. Ballon récupéré par... Alors par qui? L'Écosse. Par l'Écosse, oui, avec John McGrive. Énormissime. Oh là là, il est monstrueux. Et puis regarde le cadrage, débordement, il échappe au plaquage. Mais il est somptueux ce jeune et élégant bipède qui fout la pagaille dans la défense française, tellement sûr d'elle-même. Ça dégage. Ballon récupéré par la mitrouille. Ouais, qui lui, voilà. Mais en touche. On lui a donné les consignes, enfin les consignes, on lui a donné une consigne, on lui a dit ballon pan. Ballon pan. Et il l'a fait. Ballon pan. Oui, il demande si c'est bien la bonne consigne, effectivement, pour lui, ça n'ira pas. Et voilà Jean McReeve, victime de son succès, agressé par des groupies. Regardez-le, il s'échappe, il est obligé d'échapper aux groupies qui veulent le sucer, qui veulent tout lui faire. Et regardez, il échappe à la première groupie, mais la deuxième groupie s'agrippe à lui. Et là, les hyènes vont arriver, regardez-les, les femelles en chaleur qui se jettent sur la star de rock'n'roll qui n'en peut plus et qui reste couché sur la pelouse après avoir subit les assauts des femelles en rut. Ici, je vous rends l'antenne à vous, Cognac. Très bon dancing, merci Jackie. Ne touchez pas ça, madame. Vous m'avez déréglé le... Non, madame, vous l'avez vraiment déréglé le micro, là. Bon. Non, ce n'est pas bien. Ça passe très bien, pourtant. Ah ouais, ça passe. Non, mais dans la mise en place, je mettais... Mise en bouche. Je mettais, voilà. Oui, avec Mark Presses. Il fait la touche et ce sont les Français qui récupèrent, il l'a complètement foiraise. Oui, bien sûr. Comme on dit à Saint-Etienne. Oui. Le 42, donc c'est le chiffre à Jacques pour ce soir. Oh, le ballon est remonté par la France avec Jean-Pierre Foutre. Foufou pour Jaco. Jaco Tonnerre. Jaco Tonnerre, moi ce soit Paratonnerre. Oui, peut-être aussi. Clara Morgan Paratonnerre, ça passe aussi, c'est long, mais ça peut passer. Clara qui sort la balle, non intervention. Ouais, ouais, de monsieur. Il y a un côté électrique. Ce joueur. Je me braque marre. Et les Écossais aussi également, qui font résistance face à cette attaque forcenée des Français. Ouais. En fait, si on voit la débauche d'énergie, 17-7 comme score, c'est finalement pas grand chose. Hein. Ça reste petit tout, assez peu fertile bon, comme. Oui. Tant que ça, part, oui. Ça ne part pas en sus 7 ouais, si, comme maintenant. Là, tout est. Alors, Jean-Louis, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est nous? Jean-Louis, non, maintenant il faut nous dire la vérité, Jean-Louis. C'est toi, hein. C'est toi, mon salaud. Hein. Ça grésille, avec mais. Avec les trois bandes d'un sponsor qui essaye de se rappeler au bon souvenir de l'équipe de France de foot. Et finalement, ce sera une magnifique touche trouvée par l'équipe de France. Qui va jouer, les Français bien sûr, hein, qui ont dominé hein, la touche pendant ce match. Alors que là, qu'est-ce qui se passe, Jackie? Ah là, nous avons regardé Adidas essaye de revenir en premier plan. Regardez, il balance les trois bandes subliminales, mais ça se voit beaucoup trop. C'est une très mauvaise opération marketing, je tiens à le dire. Alors que là, je crois que c'est Clara Morgan Parra qui a subi les assauts de toute l'équipe écossaise. Et malgré son grand professionnalisme, à un moment donné, quand même, il faut arrêter. Ouais, apparemment, c'est Croco Siffredi.
L'animal. Il n'a pas eu le coup de pompe. Qui chasse du 42. Ah, nous avons quelqu'un de plus qui vient de balancer un message. Alors il est long. Est-ce que j'y vais? Je vais lire ce message. Faites la fête au message. Quand on est un petit média comme nous, le PPM, le plus petit média. Ah. À la maison, bien sûr, Radio Sport as home. Alors, contre le décalage, on vous rappelle qu'il y a le time shift que vous pouvez faire à n'importe quel moment du match. Oui, pour ceux qui disposent, bien évidemment, de la technologie la 44 minutes et 51 secondes, 52 secondes. Mais finalement, on n'a pas besoin 3, de leur dire. Hein. Ils 4, écoutent 4. Les commentaires, si ça correspond à l'action, je bloque. Ouais. C'est vrai qu'on ne commente pas souvent les actions non plus, donc ça risque d'être un peu délicat. Cette fois-ci, ce sont les Écossais qui attaquent. Ils n'ont que 10 points de débours. Oui, Jean-Louis, on est concentré. Merci pour cette petite musique, hein. Vous pouvez arrêter la musique, monsieur. Merci, non, moi, j'ai l'impression d'être au supermarché là, et de fourguer là, des saucisses à René. Là. Allez, oh, ok, de belles courses dans ce match. France-Écosse 17-7. Vous en connaissez un rayon, hein, vous alors. Allons-y, c'est frais, c'est bien, c'est pimpant. Ah, ça, c'est bien, ça, wow, c'est bien. C'est tu pro, vois, c'est mou. Voilà, avec William Serin, regarde-le. William Serin, Jacques, s'il te plaît, pas de publicité pendant le commentaire. Avec la France, oui, ah, bien joué. Enfin de la petite sympathique combinaison. Tandis que Jacques est obligé de mettre le doigt à la technique à la pour, se... pour remettre l'écran en marche. Et ça continue pour l'équipe de France qui sort la balle avec Richard Astre. Oui, de Castres. Exactement. Richard de Castres. Zézier. De Béziers. Raymond Luçon. Ah, oh, s'il vous plaît, arrêtez, dans les 22 mètres. Nous sommes dans les 22 mètres écossais. Cyril Imou. Merci Jacques, celle-ci fera blanquette. Non mais, toutes les conneries ne rentreront pas dans ce Sportage 707. Les Français sont dans les 22. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de flics dans les... C'est vrai, effectivement, entre les caméras et les Pandores, on ne s'en sort plus. L'insécurité quand... est régularisée et bien banalisée, on va dire. Voilà, oui, quand le gendarme, les gendarmes. Oui, il paraît-il. Attention à ce ballon, sera-t-il récupéré par les... Oui, les Français, oui, Jacques. Qui font corps. Qui? Qui font corps. Ça ne veut rien dire. Pour leur dame, peut-être. Mais qui jouent aux échecs, j'espère. Ils font romeux, je connais. Ils font grave, mais qui font corps, Jean... je ne connais pas. Jean-Pierre, mon latin. Et c'est une pénalité signalée par Monsieur Renversement qui justement renverse le cours un petit peu de cette action qui était au bénéfice des Français. Et là, on est allé au-delà. Alors qui? Ah oui, c'est William Sorin qui, une fois qu'il est couché, n'a plus le droit de poser la main sur le ballon. On a vu Mac Démolition contre Mac Démocratie. Oui, bien évidemment, Jacques, vous pouvez jouer sur les mots, hein, bien évidemment. Sur l'émotion. Vous pouvez avoir... Oh, mais vous clouez le Québec. Applaudissements fournis du public. Bonsoir et bienvenue ce soir pour cette nouvelle représentation Sportaz 708. Belle offensive française. Oui, c'est une tout à fait d'origine française émission à caractère humoristique. Sportaz 707, ça fait recette. Aujourd'hui, c'est un peu venu. Oui, un peu venu aujourd'hui puisque vous êtes pratiquement une équipe de rugby à nous écouter. Waouh. Il faudrait bien évidemment la bonne petite balle bien jouée. De la chance, mais... Ah non, c'est pas de la chance, ça, Jacques. C'est pas de la chance, c'est du travail, du talent, de la dextérité. Ah non, de la prise de risque. C'est la chance, je t'en prie, hein. Jacky devient poli, mais féroce. Le ballon est remonté par l'Écosse. Quel spectacle. Quel spectacle d'après Jacques, qui s'y connaît, puisqu'il a quand même commenté 707 matchs avec celui-ci. Ouais, en étant censé. En essayant de l'être, tout au plus. Voilà. Et cette voix qui est reconnaissable partout où il passe. Alors. Il est obligé de parler en braille désormais, Jacques, en geste, parce que sinon sa voix est reconnue partout où il atterrit. Et bien évidemment, il n'échappe pas au sujet. Et là, on voit ce qui s'est réellement passé sur cette action. Oh oui. Il tripote le short. L'équipe de France qui tâtonne dans son jeu. Mais qui l'a dans sa main? Il l'a envoyé bouler. Débile. Attention à cette... Clara Morgan Parra, tonnerre. Ah ouais, mais là on a le temps de le dire.
C'est pour ça, on peut y aller tranquille. Clara Morgan pour Atonea, qui va tenter donc de faire tomber la foudre sur le peuple écossais. Va te faire foudre. Monsieur, arrêtez derrière là-haut. Mais le marché de la fourrure revient en force. C'est une information qui nous sied. Ballon qui va être bientôt balancé par le pied et... Eh oui, c'est des sons qui dépoulent. Et non, c'est à côté, Coco. C'est à côté. C'est compte à côté. Bon, bah écoutez, c'est à côté. Déçu. Très déçu, là, par ce petit match. Maintenant, deuxième mi-temps. Non, Spissatus, hein, qui était venu nous rejoindre. Excuse-moi, Jacques. Je te donne l'information en kit. C'est donc Spissatus. Vous pouvez quasi chatter avec nous. Oui, envoyez le message, je vous le rappelle, hein, nous nous servirons de ces messages pour éviter bien sûr l'expulsion par les huissiers qui nous cernent désormais. Avec la France qui remonte et Jean-Claque Merde qui sort la balle maintenant pour René Lagaroule. Georges Baff. Oui, Marcel Borden. Marcel Borden qui tente de déborder magnifiquement. Ouais. C'est fait pour... On voit Chambéry là qui fait le forcing. Igor Chambéry, hein, Jacques. Contre le Paris Saint-Germain. Oui. Ah, décidément, lui, quand même, il aura trouvé ce qu'il faut. Prodifabre. Ballon français avec Guy Lamolette. Guy Lamolette, Jacques, il est obligé de mettre un petit coup de doigt. Dans le doigt de l'homme. Pour relancer l'écran. Sportaz Radio Home, Sportaz, comme vous voulez. Peut-être un jour, nous vous inviterons individuellement, bien sûr. Oui, pas trop. Hein. Vous pouvez rentrer à 3 dans le studio. Là. C'est vous dire, comme le studio est petit, à 3 invités, oui, ça peut passer, mais avec l'aération. Ça le fait, avec les sensations, bien sûr, en plus. Yes. Et ces petits écrans, ces grands écrans, ces grosses archives. Ah non, mais c'est petit, mais il y en a partout, c'est ça qui est fantastique. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, ça bataille. Ça bataille ferme. Le conseil municipal de Pompertouza n'est pas tout à fait d'accord pour la création d'une rocade qui défigurerait totalement le paysage. Et donc, en face, l'opposition se met en balle grâce à Jean-Marc Rive. C'est les verts qui sortent. Ouais, c'est souvent le cas. Jacques. Première ligne qui tombe, une seconde on qui... On est loin, Jean-Louis, tu filmes de plus en plus loin, Jean-Louis, je ne sais pas ce que tu as. Avec Clara Morgan qui échappe à de sévères ardeurs, mais ils n'auront pas le ballon, c'était un avant, signalé. Un avant. Alors, monsieur, renversement. Oui, mais la France semble poser son jeu et du coup les Écossais n'en profitent en rien. Oui, c'est difficile hein, pour l'Écossais, physiquement ils commencent à subir les impacts. Et là on voit Clara Morgan Burra. Et oui, il y a l'en avant effectivement de Placido Domingo qui en étant plaqué a chanté oh, ils sont délectes les papines. Possible. Comment l'appellation aux États-Unis pour dire un non sans plus, on dit tel. Qu'est-ce qu'on dit? Non sans plus. Non sans plus. Alors c'est quoi, c'est oh là qui là, ah, c'est Décalco qui rentre. Décalco, qui décalque tout. Ah, il est plein de manie. Sur son massage. C'est Masturbe qui sort, bien évidemment. Pour lui c'est terminé, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. C'est vrai, c'est sorti. Vous êtes carrément dégueulasse. C'est un nounours venu tout droit des États-Unis. Oui, des nounours. C'est un nounours qui nous vient tout droit des États-Unis. Regardez-le s'il est beau. Décalco. Elle est mambon. Ok, good tenner. Merci, Jackie, de nous ramener de temps en temps. Pour la seconde partie de ce magazine. Dans la seconde partie de ce magazine. 52 minutes de jeu. Je dis ça pour ceux qui nous rejoindraient à l'heure actuelle et qui auraient envie de time shifter chez eux. Parce que attention, ça peut devenir une drogue le time shift. Oui, ça semble que le score est keblo. Ouais, 17-7, c'est depuis tout à l'heure. Par contre, 52 minutes et. Crash Willy. C'est bloqué. Là. Crash Willy hein, qui vient de, qui a remplacé Clara Morgan Parra. Donc, cède sa place. Gentiment. C'est stratégique. Et, je pense que c'est autre chose. Et donc vous dites, c'est qui le petit jeune? C'est Crash Willy. Hein, qui est, Crash Willy. Oui. D'accord. Dimitri, à moins que... Enfin, vous avez 5 minutes pour lui trouver un nom d'emprunt, bien évidemment. Attention à ce ballon récupéré par les Écossais qui vont pouvoir se dégager. Il n'y a toujours que 10 points d'écart. Tant qu'il ne s'appelle pas Poutine, ça me va. Allons-y, dégageade écossaise. Bonne
douche écossaise. Oui, oui, oui. Mmh. Il se libère un petit peu. Est-ce que on peut aller se chercher un petit jingle à la cave là, c'est-à-dire hein, vraiment à la cave alors. Ah oui. Non, pas trop. Pas ceux qui sont poussiéreux. On va se prendre un petit jingle là tout de suite. Y'a quelqu'un? Sportaz naturellement. Y'a quelqu'un là, j'en suis sûr. Finissez. C'est Captain Olive hein, qui nous a rejoint sur les ondes, en tous les cas sur okay. Le site, pour envoyer son message. Ballon sorti par la France avec Dimitri. Dans le camp écossais. Oh là là, du calcon d'entrée. On essaye bien évidemment de le reproduire. Ah, on observe l'homme Macarico écossais qui récupère ce ballon et qui s'infiltre. Non, ah, mais ça peut être sympa, Rilo, ça peut être sympa pour les. Pour le musée. Hein? Pour quel musée, Jacques, quand tu parles? Ah, pardon. Je m'en prie. Ben, oh, voilà, une fois de plus, c'est John McRae, ouais. Là, qui est partout au plaquage, au ballon, à la course, au film. Regarde-le, il est là derrière et on ne voit que lui. On ne suit même plus le ballon, ouais, on suit John McRae. Il est là, ça va être un essai français. French, goal. Dans le poteau. C'est Ibagnol. Goal de Ibagnol para Francia. Sur un mouvement sympathique dont on n'a pas suivi le début et finalement on se satisfera de la fin. Goal de Ibagnol. Oui, puissant. Su tenir son ballon même si cette chisseur était... Ça, il part et puis finalement il revient sur l'intérieur et ensuite il a les jambes bien évidemment. Ibagnol, il a les roues, il a les essieux, il a le moteur, il a tout. Plein de tubes. Est-ce qu'il y a un avant sur cette balle? Non, mais magnifique petite passe de François Trouduc. Magnifique balle, François Trouduc qui a pondu ce ballon. Ça rentrera dans les annales. L'essai étant transformé, oulala, les Écossais, non seulement ils viennent de prendre un essai, mais en plus il y a Landru qui rentre, et là ça va pas être pareil. Intelligence de jeu de Ibagnol qui a amené tout le monde. Oui, il est là le vendeur, bien évidemment. Le coup d'or. Il a vraiment de la chance. Ah ouais. Changement de tous les côtés. Toutou. Et nous aussi, tiens d'ailleurs, on va changer. Changer de côté. Il est là, il est rentré. Eh oui, beefsteak. c'est un petit peu le mot. Il va en croquer. Avec une récupération française, ouais. 55 minutes de jeu, madame, 55 minutes. On est dans les 22 et là on est en confiance, on contre-attaque. Bien évidemment, ça nous fait 24-7, allez, jusqu'au bout. Pas mieux les mecs. Ah oui, le strike. Les Écossais, mais c'est ouvert encore, c'est tout ouvert, c'est over-ouvert, ouais, mais c'est là on a fait une blague. C'est over-avant. Fini par blague. Signalé par monsieur renversement, bien évidemment, qui... ne se laisse pas niquer par le jeu français. Exemple. Merci. Nous allons vous faire écouter quelques instants. Il est où d'ailleurs? Minou. Alors, gros plan from Jean-Louis, ouais. D'accord, ok. La micro-ouille. C'est vrai que, au niveau de la coiffure, il y a des choses à faire. On écoute un petit peu, ça va requinquer le joueur tricolore. Attention, 3, 4, on y va, on descend, et stop et hop et on remonte. 2, 3, 4, attention, on y va, on descend. Souple, c'est bien ça. Hop, très bien, coup franc. Et finalement, ça me rassure. Et bien évidemment, madame. Voilà. Le ballon va être dégagé par les Écossais qui ont maintenant quand même 17 points de bourse, ça commence à faire sérieux. Hein. Oh, ça tient un peu d'avoir la psychologie du bon côté. Et la balle aussi d'ailleurs. Ah oui, affirmatif, quand on est en confiance, on est en défiance et on avance. Merci Jacques. Merci, c'est beau ce que tu viens de dire. Je pense que c'est cette musique qui te transcende. C'est du dopage musical. Thérèse Plus se vend. Et c'est interdit, monsieur, vous avez raison, en avant. Français, mêlée pour les Écossais, mais la mêlée, c'est pas vraiment ce qu'ils ont envie.
hein, de faire en ce moment, c'est pas vraiment leur truc. Trouver le bonnet rose dans l'assistance. Et c'est un changement, un nouveau changement. Le docteur Giradou qui rentre. Eh ben quoi, tu le dis. Oui, c'est ça, oui, allez, laisse-moi tranquille, je travaille. C'est le top en matière d'économie. Jackie, non, ça m'étonnerait. Le travail. Il y a toujours un intrus hein, dans les images. Bravo Jean-Louis, c'est ton nouveau jeu. Trouver l'intrus dans l'image. Trouver là, Charlie. Et là, ce sera une pénalité pour les Écossais sur une mêlée. C'est rare. C'est rare, mais ça peut leur faire du bien, tu comprends. Ils peuvent reprendre le moral et se dire que finalement, la France n'est peut-être plus aussi puissante qu'elle l'était au départ. Allez, une pénale touche. On va récupérer la touche pour les Écossais d'en haut. Ouais. Une bonne petite. Avec Burhead, bien évidemment, ils sont tous là. Les Écossais, on voit ce qui s'est réellement passé. Si vous y comprenez quelque chose, vous nous renseignez, vous êtes gentils. Ça s'écrase, hein, ça c'est sûr. Ça s'écrase même. Ouais, maintenant on comprend quelque chose de la mêlée, de ça, même les plus grands scientifiques se sont planchés sur la mêlée. Bien évidemment, Jacques. Quelle belle iconographie aujourd'hui, quelle esthétique dans l'image. Oui, j'aimerais que quand je parle, on passe à un. Finissez-moi. Marek Benda au douche. Oui, belle sortie pour la Écosse, attention. Attention avec Jean McRive qui provoque la défense française et qui l'a. C'est sa deuxième ligne qui est là. On va sortir ce ballon côté Makin. Oui, il faudrait sortir Makout. Si on veut sortir cette balle, il faut que Makout aille un petit peu plus vite. Le cuir est là pour les Écossais avec Highlander qui tente d'y aller tout seul. Finalement, il donne un Makoff. Donc c'est pas Madoff, tout va bien. Et non, l'intervention de Monsieur Renversement qui laisse développer l'action avec une petite progression. Oui, non, pas tout seul, qui n'y arrivera pas, Coco. Certes, l'équipe de France est à 24 points, les Écossais à 7 points, donc il n'y a pas grand danger. Mais... avec un petit essai supplémentaire, ils reprennent du baume, il reste encore 20 minutes à jouer, tout est faisable. Allez, l'Écosse, allez, l'Écosse, marquez-moi ce putain d'essai de merde, il n'y a pas d'en avant. Et de poids passé. Il considère qu'il y en a pas, à moins qu'il ait eu une position de hors-jeu. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Bien vu, Jackie, pour une fois. Alors, je me semble-t-il de la ligne de défense écossaise ou française qui nous a fait une pénalité pour l'Écosse. Avec, qu'est-ce qu'il fait? Pénalité pour l'Écosse, il l'attend ou il la joue? Ils sont très en retard au niveau point, il la joue. Oh, le fighting spirit Irish vient de se transformer. Oui, go! L'Écosse venait de marquer un essai à l'équipe de France. Alors, tout était relancé. Nous, on en prend. L'équipe de France aussi. Ils en ont pris un. Et monsieur, quoi que vous citiez, je vous suivrai. Goal par Scotland. Que si venait à transformer l'essai, ça remettrait l'équipe d'Écosse à 10 points seulement et ça deviendrait de nouveau intéressant. Nous allons ensemble laisser le buteur écossais se concentrer. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Il est rapide, il l'a mis. Goal! Goal! C'est en force, certes. Moins en force qu'une mêlée. Moins en force qu'une mêlée, Jacques, je suis au regret de te le dire. Et c'est d'homme. Et la France encaisse un essai supplémentaire. Et voit fondre son adversaire. Voir, arrêtez-moi cette musique parce que sinon ça va plier toute l'atmosphère. Ah, il y a les calentonneaux là. Attention à cette relance. Et oui, ça va donner du baume au cœur aux Highlanders. Arrêtez-moi le tintouin. Deux buts à perdre. Ballon qui est mis en touche. Alors pour qui? Qui le bénéfice de cette touche? Visiblement au tricolore. Le tricolore, le joueur français, le docteur Giradou. Giradou qui va faire cette touche. Oui. Pour la France. Ouais, pratiquement raccourci si on considère que les joueurs derrière ne jouaient pas. Il considère qu'elle ne fuit pas touche, qu'elle ne fuit pas droite, et on donne une mêlée. Petit instant de merdouement sur la pelouse.
les uns se reprochant les autres ne parlant plus aux uns. Ça nous donne ce petit moment hein, de libération hein, du jeu. Si vous voulez un jingle, il n'y a pas de souci, mais... Ah bon, c'était ça en fait l'idée. Mais j'allais vous le dire. Envoie la sauce, Paul. La sauce, j'ai dit, oh. Ah, qu'est-ce que t'as regardé, toi, là, oh. Hey, mon petit, fais gaffe, hein. Ouais, sortez du studio, là, on doit faire un jingle, les meubles. Sportage. Alors, nous vous donnons une explication. Ces jingles ont été retrouvés sur des cassettes qui datent du siècle dernier. C'est vrai. Et effectivement, nous avons progressé. Nous sommes rentrés dans les 20 dernières minutes de cette confrontation et l'Écosse attaque toujours. Oh, comme ici, regarde bien, ça. Ah oui, c'est fin. Ah oui, il est bien. L'Écosse est fin. Hey, petit point pour tout le pas monde. Pas de fève. Et c'est parti sur la droite avec Mac of Fire. Mac of Fire. Fire que Mac on Light. Ok. Yes. Mac on Right. Mac Urgency now. There is fire in the French house. Oh, with Scotland now with a dark narrow friend Lorraine and Will Respectable. You are surprised. Oh, so sorry for the ball now for McCover. McCover who stands. The Fergus was out. Merci, monsieur. Eh oui, on a besoin de tout le monde pour finir ce match. Et il y aura pénalité pour la France signalée par monsieur renversement qui renverse son propre diagnostic. 35 euros, c'est vu. Pour 35 euros, monsieur renversement, c'est vu. Ah, voyons un petit coup d'œil vite fait sur le site pour surveiller le message. Ça t'excite. Je regarde. Et non, on ne peut pas nous écouter et écrire en même temps. Attention les amis. Attention, je vous le dis. Ballon négocié petitement par l'équipe de France. C'est une touche dont elle bénéficiera du lancer. Vous me refoutez toute cette phrase, Jacques, dans le bon sens. Et tout de suite, je vous retrouve. Oui, il y a du changement ou quoi là? Ah oui, il y a Fion. Ça, Fion. Fion qui est entré du côté. Fion aussi, décidément. L'équipe de France. Plutôt, oui. Elle est basée sur les arrières. ballon récup par le France, me semble-t-il. Hein. Monsieur renversement n'insistant pas, on peut considérer qu'effectivement c'était le cas, mais il juge que les Écossais ont écroulé le mol. Et donne une pénalité à l'équipe de France. C'est à vous. Allez-y. C'est à vous. Oh! Choquant. On comprend rien ce que tu dis. On comprend rien. Oh! Ça va! Chacun, dites-lui de circuler. Excusez-nous. Nous avons voulu vous proposer un ton original. Mais d'autant que la pénalité a été ratée côté français. Je pense que ça ne l'a pas aidé quand même. Cache les biscuits. Oui, cache Willy. C'est plutôt ce qui me vient à l'esprit. Maintenant la France quand même qui galope en tête dans cette partie. Après un tapé dans la tête là. Ah, ouais. 24-14, il est bon ton petit truc. Hein. Alors. Attention, le sortie France. Oui, oui avec Michel Sardou. Ah, Michel Sardou. Michel Sardou, oui. Alors que la climatisation, c'est. C'est mis en marche. Hey, avec. Oh oui, une superbe figure, magnifique. Double axel sur la tête de la part d'un centre français. Et la sortie tricolore. Il s'est isolé, bien sûr, il tombe sur qui? Sur John McRive, dont personne ne loupe la tête. Allez, la France, qui attaque.
Kazatak. 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 Ton passe, grosse passe. Vraiment croqué. Oh là, c'est un peu n'importe quoi sur la pelouse. Oui, récupération sur le ballon par les Écossais qui passent contre attaquer. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez-y au bout. Oh, dommage, pourquoi tu l'as pas donné? Oui, mais ils sont trop offensifs du coup. Ah oui, mais... trop ambitieux là. Vous avez un petit coup à faire. Bon, bah, écoutez, on s'est relancé un petit peu dans le commentaire de l'action. Et puis là, on va repartir de là où nous venions, hein, parce qu'on y était quand même super bien. Ça pousse en tout cas côté Stade de France. Le public est envié. C'est vrai qu'il je trouve un petit peu un petit peu virulent le public en ce moment. Attention avec ce bon petit crochet sur la droite, il échappe au défenseur, mais pas au second, il finira en touche malgré tout. À moins que ce ballon soit récupéré, un ballon vivant. Merdard. 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 Si je vous Oh yes, goal. Un goal par un Francien. Goal par un Francien. C'est très magnifique. C'est énormissime. C'était prodigieux. Eh bien, l'équipe de France nous fait plaisir alors que cette action partait de rien du tout, c'est-à-dire un ballon un peu fou, complètement paumé. Je ne sais qui eut cette inspiration folle de revenir des là-bas. Des merdards, moi je pense. Et ensuite, c'est magnifiquement fait. Bien joué de la part de tous. C'est goal. Pas la Francia. Vous passerez tous au buffet, tous. Merci Marie-Georges. Et on revoit tout ça tranquillement, au ralenti. Merci Jean-Louis. Ah oh, mais c'est Maxime. C'est Max Sampeder. Vous l'avez dit, c'est des merdards. Et tout le monde a fait le bon pass avec Poitrine de Beau qui donne à la mitrouille. Et la mitrouille qui marque le go. Il semble sceller cette équipe de France vers une victoire incontournable, semble-t-il. Ah oui, maintenant nous sommes passés quand même de 30 et de 27 à 30. Je retiens un frappe, 31 à 14. Ah, me semble-t-il. C'est limite mal pour les pauvres Écossais qui n'en mettent pas tant. Ils sont vaillants sur ce coup-là aujourd'hui. Samedi 5 février, 31-14, France-Écosse, tournoi de destination, Sportaz 707. C'est bien dit, ça. 69 minutes de jeu, 69, 40, 41, 42, 43. Nous allons rentrer dans les 10 dernières de cette confrontation. Premier match du tournoi. Et la France est déjà là. Pourquoi pas? Quelqu'un. Ta gueule! Ah, à un moment donné, merde! C'est vrai, ça devient... C'est à toi! Jean-Louis... S'agrandit, c'est dire que c'est inverse. Oh là là, il prend la tête, allez, regarde comment il prend la tête. Là, il prend vraiment la tête, merci. Il pourrait voir clair. Mais attention, c'est... Complètement déchiré par les Écossais qui ont pris la contre-attaque dans la tronche. Ah, c'est possible, bien vu Jackie. Eh oui. Et ça envoie, oh là ça là envoie là. Le bois à côté oh, François. Boucherie, François. Ouais, François Boucherie. 15 rue de la République. Ouvert de 8h à midi et de 14h à 18h. Eh, il te fait des steaks à chier, mais pas cher. Douleur, non. Eh oui. Oh, on fait entrer John Peter. John Peter qui s'est marié, qui se marie ce soir. Et qui vient profiter des derniers instants de célibat avec les amis et il va ramasser de tous les côtés car même ses copains vont lui en donner. Un Français qui va rentrer aussi. Oui, alors là c'est le cocktail, hein, là. On rentre, on sort, c'est le... J'aimerais voir les tickets d'entrée de tout le monde là parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le bordel sur la pelouse. Merci. Ah, oh, j'étais en train de me chahuter tout seul là et vous m'avez, interrompu. Ça tense, ça flore. Ça fleurit, il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, hein. Yes, it is. C'est marrant, hein. On commence, on recommence et d'un seul coup le soleil apparaît, la chaleur revient. Profitez. Profitons, oui, on s'en mange pas tous les coups, ça c'est sûr. Ah, le profit, c'est important, hein. Dans la réalisation du bonheur de chaque individu. Mêlée pour les Écossais pendant que Jacques vous tient en haleine. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors ça, demandez à Jacques. Ah,
Grand Jacques soupçonne Jean-Louis d'être payé par des marques de télé extra larges parce que visiblement Jean-Louis tu filmes de trop loin. C'est Ounas qui est en premier allégeance pour cette raison. Ouais. Attention Jean-Louis, il y a des jeunes qui nous envoient des CV. Eh oui. Merci Grand Jacques de dénoncer ainsi Jean-Louis. La délation fait partie bien évidemment du comportement du supporter de Sportaz. Et n'oublions pas, Sportaz, tout le monde en a rêvé, mais personne ne l'a refait. Oui, oui, sans forfanterie, hein, cela dit, sans forfanterie aucune. Nous n'en avons pas les moyens. Ouais, doucement les gars, ils le sentent. Ça c'est fou. Ça c'est fou, ça. Dès qu'on rentre dans les 10 dernières minutes, ils arrivent tous, hein, les sons essayent de pénétrer dans l'émission. Avec une montée Taylor française. Taylor McDougall Jr. Oui, c'est ce que je vous disais, mais à tout de suite. Et attaque française avec, oh là là, Sangali qui a perdu le ballon. Et maintenant, c'est Patrick Esteve. Patrick Esteve. Pas mal. Ah. Et alors, il joue tout seul, le petit coffre, mais c'est un peu fort. Hein. C'est un peu n'importe rapide. Quoi. Jean-Louis, il s'est passé quelque chose. Va au contact, Jean-Louis. Poitrine de nos. Est-ce qu'on peut avoir la conversation entre les deux arbitres, Jean-Louis, s'il te plaît, c'est maintenant, non? Please. Ah, rien du tout, ce sera une simple petite mêlée au bénéfice, me semble-t-il, du tricolore. Ouais, please, allez. Please again. Ouais, eh bien, on est pas mal, là. On est pas mal, petit Sportaz reprise, car je vous le rappelle, nous n'étions pas là la dernière fois. Ouais. Pas plus que nous serons là la prochaine. Donc on a fait rentrer Ford dans le hall 16. Ouais. On a fait rentrer en le poussant, Jacques, hein, parce qu'on ne peut pas le démarrer, bien évidemment, dans l'enceinte du stade, ouais, alors que le notaire rentre. Et juste avant, on a aperçu André Agassi. Hein. Il était assez agacé, d'ailleurs. Est-ce que ce soit Brad Pitt? Effectivement, j'ai omis de surveiller ce personnage. Alors, entrée sortie, voyons, Claire, ouais. Clairvoyant qui remplace donc Desmerdard. Et la France toujours bien en avant, bien dans ses bottes. C'est quoi le score, c'est quoi? Ça nous fait 31-14. 17 points, 2 essais transformés, un drop. Ça commence quand même à devenir difficile large, pour les Écossais. Ouais, mais sait-on jamais, un écroulement total de la formation française dans les 5 dernières minutes. Qui sasse Un open under français, inhabituel certes, mais peut-être efficace. Sarabodi 1, Sarabodi 2 et Sarabodi 3. Oui, l'arbitre n'intervient pas, il a bien raison. Je salue la performance de monsieur renversement dont on attendait quand même bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette voix? Oui, faites là, je suis. Télépof. Vous regardez Télépof. Allez, coup franc. Drôle de nom. Nos amis écossais. Ça se retient bien. Et un petit coup de doigt de Jacques là pour remettre l'écran en marche. Et c'est parti, les Écossais qui se dégagent, qui reviennent dans le camp français, qui vont bénéficier de la touche et qui vont aller marquer un dernier petit essai pour nous enflammer. Fort possible. Oui, c'est ce que j'ai dit. On va ça gentiment au ralenti. Jean-Louis, il y a des ralentis que tu ne payes pas. Et pourquoi? C'est ce que j'aimerais bien savoir, effectivement, moi aussi. Pourquoi tu ne payes pas ces ralentis, Jean-Louis? Ouh, touche écossaise ultra rapide. Vive, oui. Ultra rapide. Ok, on s'enfonce. Jean-Louis, t'es trop loin, film. Auprès, Jean-Louis, auprès, toujours. Oui, les Écossais, dans le petit côté. Jean-Louis, le bonheur est dans le pré. Sur la caméra 16. Voilà, comme ça. Sois prêt. Ah ben là, Jean-Louis, là, oui, effectivement, je comprends. Hein, on essaie de nous fourguer les écrans 16-9e à tout bout de champ pour pouvoir, bien évidemment, voir correctement magnifique Araikoshi maintenant du défenseur français. Mac dedans. Il mérite. Scotland Goal. Oh, c'est la belle nuit de Noël. Ah, excusez-moi. Ouais, belle petite combinaison. Nous vous avions prévenu. Vous le saviez, donc ne soyez pas étonnés. Et c'est écossais. Et les congratulations que l'on voyait tout à l'heure du côté staff français vont se transformer en léger frisson, oui, en fébrilité. Mais c'est le sport, la loi du sport quand il est sport. J'aime beaucoup cette formule et je la conserverai. Ouf, oui.
On peut se regrouper derrière les poteaux, bien évidemment. On vient d'en prendre 7 dans la musette. 7 dans la musette. Sportage 707. Ce score fait recette. Sucette. Bravo! On voit cette belle action et collective et individuelle. Il ne faut pas s'empêcher de le dire. Ce raffut, tu as vu ce raffut terrible. Je ne sais pas qui s'est fait prendre comme ça au plaquage, mais tout de même. Attention, en défense, on en prend beaucoup. C'est le troisième essai qu'on prend de la part des Écossais. 10 points d'écart, oui, mais somme toute pour le spectacle, ça nous envie. Ça bien nous évidemment, envie. Il reste moins de 5 minutes, mais en moins de 5 minutes, on peut en prendre 60 points. Rappelez-vous, remember, avec ce ballon mal négocié par les Écossais. Dommage. Et du coup, ils sont en défense, là, hold. Attention, attention, les mecs, ça pourrait mal tourner. Ça pourrait mal tourner, mais pour l'instant, ils conservent la balle. Ils sont joueurs, ils sont vifs, ils sont entreprenants. Ah, vous aussi, investissez donc en Écosse, Édimbourg, une ville dynamique qui vous accueillera au rythme de ces magnifiques récupérations françaises. À bisous, bisous. Allez, bisous. Bisous. À bisous. Ne joue pas. Parce que ça, j'ai envie d'une bière, moi. Ouais. Ça m'étonne pas, je te connais. Il y a du champagne et une bière, quel con. Et de leur faire plaisir comme ça. Oui, alors le ballon est sorti, la France va gagner. La France va gagner maintenant, vous pouvez vous relâcher totalement. Enfin, pas tout quand même, ne relâchez pas tout. Essayez de conserver un peu l'intérieur, c'est ça, attention. Vous entendez quelque chose? Plus rien. Plus rien. Il faut y penser. Ça ne fait que ça, madame. Voilà. Merci d'être passé, docteur. On se retrouve tout à l'heure. Et sortie de balle par la France qui va vouloir, bien évidemment, inscrire le dernier essai du match. Démontrer que c'est elle qui avait... Doucement, les enfants, c'est pas fini. Vas-y. C'est pas fini encore. Attendez un peu. Les pénalités, Zénia, les barres, monsieur, renversement pour la France. Pour la dernière minute, que vont-ils faire? Tenter les 3 points? Ce serait... Non. Ah non. C'est pas sûr. Si, si, ils le font. Oh là là, ils prennent les toits. Oh non. Ouais, c'est pas magnifique c'est pas au Stade de France. Quand même, je veux dire, avec 10 points d'écart, alors qu'il reste une minute à jouer. Mais bon, on plaît les blessures australiennes. Pour un résultat impeccable. Jacques, pour un résultat impeccable, a dit la dame, je n'en suis pas sûr. Je ne connais pas cette dame et je ne vois pas pourquoi elle pénètre dans cette émission sans dire bonjour. Après la crise, la reprise. Ouais. Faut pas s'en péter de lettres, là. Faut vraiment pas s'en péter de lettres avec Dimitraï. Cash Willy. Cash Lash. Fash Willy. Oui, cette fois-ci, il la met magnifiquement. 3 points de plus pour l'équipe de France qui se met définitivement. Oui. C'était Jackie en direct, donc du Hammam. À vous, Michel Alliomarie. Bravo, quelle sortie, Jackie. Il y a des professionnels et puis il y a les autres. Bravo, Jackie. Magnifique. Il est parti, non, il est vraiment parti. Il ne reviendra pas. Ah, ou percé écossais. Les Écossais reviennent, ils reviennent à tir l'arigot. Non, ils ont le mental pour, manifestement. Espérons que le physique suivra. Jean-Pierre Rive, nous a ravis. Ah, tout à fait, il continuera, je l'espère, dans ce tournoi. Non. Merci, Jacques. Bah non, négocié tranquillement par les Écossais, tandis que l'horloge, France l'horloge go, a défilé. Il en est terminé maintenant de cette confrontation. 34-21. Oui, tout va bien, bien. On se retrouve dimanche. Tournoi. Silence. Ce sera pas. Quoi Français Coco. Non. Et c'est quoi? C'est fini. Là. Au revoir. Madame. Monsieur. Arrêtez, je suis obligé de revenir pour finir correctement cette part. Vous n'êtes pas le bienvenu, Jackie. Vous n'êtes pas le bienvenu. C'était Sport à 707. 4 points seulement.
Ça m'a été mis. Ah non, il est 31, plus que ça peut-être même. 34 et quelques, 21, 34, merci Jean-Louis, hein, 34, 21.